Heureusement, vous êtes arrivés sains et saufs. Je vous avais pourtant déconseillé de le faire, Arthur. Regardez-moi cette foule. D'ici Noël, ils auront oublié. Je n'en suis pas sûr. Je reçois des montagnes de courriers tous les jours. Il y a même des lettres de menaces. Et pour être tout à fait honnête, je crois que les gens ont du mal à comprendre. Vous vouliez passer à autre chose, c'est bien naturel, mais... pourquoi le faire mourir? Le temps était venu. Tout a commencé avec le violoniste, je ne l'oublierai jamais. Il se tenait au coin d'une des rues les plus colorées et les plus dépravées du quartier. Et pourtant, il avait l'air détaché du monde. Et sa musique élevait l'âme plus que tous les 20 enseignements du pensionnat de jésuites que je venais de quitter. Derrière lui, les rues de la vieille ville semblaient m'appeler. Au début, je pensais que c'était la vie des gens qui m'attirait. Et pourtant, très rapidement, j'allais être bien plus concerné par leur mort. Mais à ce moment-là, tout avait changé d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer quand je me suis engagé dans l'étrange voyage que furent mes études de médecine. J'ai pu identifier 19 composants qui peuvent être utilisés pour soulager un patient atteint de ce mal. Je vais les énumérer par ordre d'efficacité décroissant. On est au purgatoire. Tout d'abord, un alcaloïde dérivé de la bélatine, le sulfate d'atropine, comme je vous l'ai indiqué. On vous amène de nouveaux étudiants. Si les femmes persistent à assister au cours, on peut aussi bien enseigner à des moutons. Rentrez chez vous et trouvez-vous un mari. Nous avons le droit d'être ici comme vous. C'est maintenant inscrit dans la loi. Vous n'avez pas lu la Bible? Je ne suis pas ici pour tenir un lupanard. Étant donné que tu sembles confondre les moutons et les femmes, cela me rassure. Nos études sont polluées par leur présence. En aucun cas, ces Jézabel ne trouveront leur place dans cette université. Et nous nous en débarrasserons par tous les moyens. C'est le cours le plus animé qu'on ait eu. Même si on doit cela à des imbéciles. Oh. Les moutons sont plus malins que les bergers. Oui, je préfère assister au cours sans me faire agresser. Je vois ça. Tout ce que nous voulons, c'est pouvoir étudier, monsieur... Doyle. Vous trouvez que c'est trop demandé, monsieur Doyle? Non, mais je n'en ai pas fait personnellement l'expérience. Seigneur! Et celle-ci, qui se travestit en homme pour nous leurrer? Laisse-la! Quel chevalier! Mais elle est loin d'être une gente dame. Une seule chose les attire. Tu as beaucoup à apprendre, Doyle. Je pensais que rien ne pouvait être plus rasoir que le pensionnat, mais j'avais tort. Dis-moi, est-ce que les jésuites à ton école te disaient que tu serais damné? Tout le temps, même pour avoir osé jouer au ballon. Franchement, si pour eux cela compte comme un péché, est-ce que le mal existe seulement? Oui, il existe. Mets-toi au bord d'une falaise et penche-toi au-dessus. Ce serait une mort atroce et pourtant, un petit démon te dit de faire un pas en avant. Ou tu dois faire quelque chose d'urgent et tu manques vraiment de temps. Et là, il y a la même petite voix qui te murmure à l'oreille de remettre cela à plus tard. Bizarrement, les hommes n'ont qu'une envie, faire ce qu'ils ne devraient pas. Ils font ce que la société réprouve, car ils croient ainsi réaliser leur rêve. Et la belle Elspeth Scott déguisée en homme, quelle inspiration. Voilà mon inspiration.
Cette porte est toujours fermée à clé. Je cherche le docteur Bell pour m'inscrire à son cours. Juste ciel, que faites-vous? Est-il mort? Oui, il est mort depuis une quinzaine d'heures. Hémorragie cérébrale. C'était un soldat. Et voilà qui confirme l'heure du décès. Pas une marque, ni même l'ombre d'une quelconque enflure. Oui, mais en quoi cela est-il important? On ne peut plus rien pour lui? En un sens, oui. Reculez, s'il vous plaît. Je vais pratiquer un autre test. La balle pourrait ricocher. Vous risquez d'être touché. Prendre des risques est souvent salutaire. Aucun saignement. C'est évident. Élémentaire. Et vous travaillez pour Bell? Non. Bon, alors je peux être franc. Est-ce que son cours vaut la peine? Je sais qu'il est réputé ici, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, vous n'êtes pas convaincu, monsieur... Doyle. Ah. Non, j'espérais une révélation, mais je m'ennuie à mourir. À vrai dire, j'abandonnerais volontiers si je savais quoi faire d'autre. Et cela ferait beaucoup de peine à mes parents, mais je ne pensais pas trouver ici de pareils imbéciles. La médecine les attire, c'est vrai. C'est un des problèmes de la profession. Et Bell est aussi ridicule que les autres. Qui écrirait des bêtises pareilles? Dans un de ses articles, il se pique d'identifier la profession et la personnalité d'un homme en observant ses chaussures ou ses mains. Mais quel charlatan! Qu'il se mette seulement dans un wagon de troisième classe et qu'il essaie d'identifier le métier de ses voisins. Vous devriez le lui suggérer. Il est probablement assez arrogant pour accepter. Bon, j'ai terminé. Je vais vous montrer où aller, monsieur Doyle. C'est ton premier cours? Alors prépare-toi, Harry. C'est vraiment un cabotin. C'est lui, je suppose? Non, lui, c'est le docteur Carmichael. Bell a toujours une escorte. Là, le voilà. Asseyez-vous, messieurs. Monsieur Doyle, rebonjour, donc. Nous verrons une procédure élémentaire ce matin. Aucune déduction sophistiquée, ce qui épargnera à Monsieur Doyle toute inquiétude. Il craint en effet d'être en présence d'un des nombreux charlatans qu'Edimbourg affectionne. Mais je tiens à donner ce simple avertissement à Monsieur Doyle. Soyez circonspect. De l'astrologue est venu l'astronome. De l'alchimiste est venu le chimiste. Du mesmériste est venu le spécialiste des maladies mentales. Le fantaisiste est toujours le pionnier. Le charlatan d'hier est le professeur de demain. Et maintenant, le couteau. Ou la baguette magique. Arthur, ton père n'a pas été bien aujourd'hui. Retournez au lit. Bonsoir, père. J'aimerais que l'on retire ces cendres de ma bouche. Car je pourrais alors te dire comment voir la vérité telle que je la vois. Tu veux la voir, Arthur? Oui. Je veux voir la vérité. J'ai enfin trouvé leur nid dans le pot. Les farfadets de l'autre monde. Il a bu toute la journée. Ce soir, j'ai essayé de l'examiner, mais il s'est mis en rage. Je vais réessayer. De quel droit il l'examine? Il n'est que locataire ici. Il est médecin, tu le sais très bien. Sous prétexte qu'il paie un loyer, il a un droit sur tout? Tu es injuste. Tiens, tu dois prendre ceci. C'est ce que ton père possède de plus précieux. Et je veux te la donner. Avant qu'il ne la remette en gage. Ou ne passe sa colère dessus.
Arthur, je ne veux rien te cacher. Ton père dit et fait des choses terribles. Mais jamais il ne ferait de mal à l'un de nous. Et maintenant, prends ceci. Et garde-la précieusement. Excusez-moi. Que s'est-il passé? Vous le voyez, il a eu comme une sorte d'attaque. Il a dû boire bien plus que de raison. Ils l'ont vu se tordre de douleur. L'alcool l'a empoisonné. Je suppose qu'une bonne âme lui a donné une bouteille. Quelle bouteille? Je n'en sais rien. C'est à eux qu'il faut demander. À cette bande de tire-laine. Il ne sent pas l'alcool. Je connaissais Samuel. Il était loin d'être un ivrogne. Vous êtes sûr de la cause du décès? Et qu'en savez-vous? Je suis étudiant en médecine. Oui, eh bien, allez importuner quelqu'un d'autre. Il n'a pas été attaqué. Et qui lui aurait voulu du mal? Même ses pièces n'ont pas bougé. Vous feriez mieux de retourner à vos études, jeune homme. Cela arrive fréquemment par ici. Ce n'était qu'un vieux pochard. Avant que je ne vous parle du patient suivant, je voudrais que vous l'observiez et que vous me disiez tout ce que vous remarquez à propos de son apparence. Que peut-on en déduire, Monsieur Stark? Il traîne la jambe. C'est peut-être une entorse ou une fracture. Oui, autrement dit, pas grand-chose. Vous regardez, mais vous n'observez pas. Quelqu'un ici est-il capable d'observer? Monsieur Doyle, en utilisant vos yeux, vos oreilles, votre cerveau, votre remarquable perception, que pouvez-vous donc déduire de l'apparence de cet homme? Qu'il attend sûrement d'être soigné. Demandez-lui. J'admets qu'il a peu de caractéristiques flagrantes. Tout ce que je peux déduire avec certitude, en observant cet homme, c'est qu'il habite à Liberton, qu'il conduit un attelage à deux chevaux, un gris et un bai, et que, assez récemment, il a quitté l'armée. C'est vrai. Comment diable avez-vous su? Oh, je suis très tenté de vous laisser vous poser la question, mais je vais vous expliquer. Il a de la glaise de Liberton sur le bout de ses semelles. Il porte des brodequins militaires du type de ceux qu'on offre aux soldats lorsqu'ils quittent l'armée. Il a des poils de cheval blancs sur une manche et des poils bais sur l'autre. Donc, deux chevaux. Vous voyez, un simple tour de passe-passe. Oui, Monsieur Doyle, vous disiez. Oui. J'avais seulement des doutes sur les applications pratiques de ce numéro. Ah oui, vraiment. Eh bien, ces doutes pourraient avoir des applications très pratiques sur votre carrière dans cette université. Nous nous verrons après le cours. Le moindre détail insignifiant, le moindre bouton, la moindre ride, le moindre petit geste, le moindre poil, la moindre poussière, tout représente pour nous de précieux indices. Alors, vous pensez que ma méthode n'a pas d'utilité pratique? Je n'en ai pas vu. Suivez-moi. Je pourrais vous renvoyer de mon cours pour vos impertinences. Néanmoins, lorsque quelqu'un a tellement de lacunes, il vaut mieux qu'il apprenne. Je vais vous prendre comme assistant. Vite, messieurs, vite, Doyle! Bien, on va le recoudre, puis on installera un drain. Un drain souple par ici, s'il vous plaît, un drain souple. Doyle, éponge. Éponge! Merci. Vous voyez, messieurs, l'hygiène n'a que peu d'importance si le patient nous reste entre les mains. Doyle, vous allez m'accompagner à la réserve de spécimens. Nous allons choisir des échantillons pour demain. Il semble que j'ai plus urgent à faire. Voici la liste de ce qu'il me faut. Merci.
maintenant, Serendri, si vous voulez me suivre, je voudrais vous montrer notre tout nouvel amphithéâtre qui, grâce à votre générosité, sera bientôt terminé. Avec joie. Bien que je m'attende pratiquement à voir des nappes en dentelle recouvrant pudiquement les instruments de chirurgie. Car aussi déplaisant que cela nous paraisse, vous êtes obligé de prendre en compte la sensiblerie des femmes maintenant. Oui, nous avons laissé le choix à chaque professeur d'admettre ou non les femmes à leur cours. Très judicieux. Et je sais qu'au moins Latimer s'y est opposé. Il dit que dans son cours d'anatomie, les femmes n'entreront jamais que les pieds devant. Je te verrai au déjeuner. Oui, d'accord. Je t'assure. J'arrive pas. Encore tout à l'heure. Mais tu te compromets également. C'est à moi d'en juger. Tu sais ce que je pense de la manière dont... Excusez-moi, je cherchais le docteur Gillespie. Il n'est pas ici, monsieur Doyle. Mais je vous présente ma sœur, Lady Sarah Carlyle. Monsieur Doyle, le docteur Gillespie fait visiter le nouvel amphithéâtre à mon mari. Vous le trouverez là-bas. Madame, sauf votre respect, je voulais seulement lui dire que c'était assez dur ici pour votre sœur et ses collègues sans l'hostilité publique de Lord Carlyle. Monsieur Doyle, s'il est vrai que mon mari est plutôt traditionnaliste sur la question, c'est son affaire et ce n'est pas demain que cela changera. Mais Elspeth fera un bon médecin. Et je suis très fière d'elle. Regarde, Doyle. Voici notre mystérieux docteur Bell. Notre homme aurait-il une maîtresse? Non, il a des activités parallèles, ça paraît absolument évident. Possible. Ainsi, je soutenais à mes compagnons que Bell s'occupait sûrement d'une quelconque œuvre de charité très ennuyeuse. Mais en moi-même, je me promettais à cet instant précis d'élucider ce petit mystère en utilisant ces fameuses méthodes. Mais finalement, une curiosité brûlante me poussa à agir de façon plus radicale. Même pas un bleu. Vous êtes convaincu? Non, pas du tout. Dites à Walton de se préparer. Hey, Summers, pouvez-vous m'envoyer mon assistant, je vous prie? Vous le verrez derrière la porte. Un petit conseil. Quand vous suivez quelqu'un, évitez de vous approcher des fenêtres éclairées. Néanmoins, comme vous avez fait preuve de plus d'initiative que beaucoup de vos prédécesseurs, approchez-vous donc. De la médecine légale? Oui. À l'origine, on me demandait seulement des conseils à titre confidentiel, mais je me suis vite rendu compte que je ne faisais qu'effleurer la surface, car selon moi, les crimes, tout comme les maladies, peuvent faire l'objet d'un diagnostic si on utilise les mêmes techniques. Alors, quel est votre avis sur feu Madame Canning ici présente? Pas une marque? Vous pensez à un meurtre? Oui, en effet. Naturellement, la police a conclu un infarctus. Au moins, ils font une enquête. Récemment, j'ai vu un mendiant mort dans la rue. Cause du décès? Selon le médecin, excès de boisson. Or, il ne sentait même pas l'alcool. Je suis sûr qu'il a été tué, mais ils ne feront rien. Oui, c'est exact. Parce qu'il s'agit d'une femme respectable, sa mort suscite un minimum d'attention. Pour une fille des rues, ce serait différent. Quand elles sont attaquées, et c'est arrivé récemment à plusieurs reprises, la police s'en contrefiche, comme pour votre mendiant. Des hypocrites. Pire que cela.
Au fil de mes observations, j'en suis arrivé à la conclusion que les autorités font le moins d'enquêtes possible et uniquement quand ils sont sûrs de réussir. Résultat, les rares meurtriers qu'ils arrivent à identifier sont si stupides qu'ils n'en méritent même pas le nom. Au moins, ils sont arrêtés. Oh oui, mais cela rassure les ignorants. Et pendant ce temps, les meurtres les plus abominables passeront inaperçus. Laissez-moi vous dire, Doyle, quel est le principe appliqué dans cette ville? Surtout en faire le moins possible. Ah, Walton, enfin. Vous venez faire l'autopsie, j'espère. Oui. Bien. Allons-y, Doyle. Belle, enfin vous voilà. Nous avons assez attendu. Faites votre autopsie, je veux bien, et laissons-la reposer en paix. Voici Arthur Doyle, mon nouvel assistant, inspecteur Beecher de la police municipale, et Summers, que vous connaissez. Je pense que nous pourrons conclure l'enquête ce soir, sans devoir appeler le procureur. L'affaire est étrange par certains aspects. Elle s'était enfermée, et la bonne était à l'extérieur. Et rien ne suggère un crime, et en tout cas, aucun être vivant n'aurait pu entrer. Aucun être vivant, je suis probablement d'accord. Elle s'était enfermée, c'est ça? C'était une hystérique. Elle faisait goûter sa nourriture par sa bonne. Walton examine le contenu de son estomac et je suis sûr qu'il ne trouvera rien du tout. La fenêtre n'est d'aucun secours, fermée de l'intérieur depuis des semaines. Contrairement à Belle, nous sommes sûrs que c'est bien une mort naturelle. Vous avez vérifié si son mari a vraiment un alibi? À l'heure du décès de sa femme, il était à son club, comme il l'a dit. Il participait à un grand tournoi de bridge. Ça a duré toute la nuit. Il y a des témoins par dizaines. J'étais devant la porte de ma patronne toute la nuit, oui. Elle aimait savoir que j'étais là, ça la rassurait. Parce qu'elle avait toujours peur d'être attaquée. Par qui? Quelqu'un d'invisible. Elle refusait d'en dire plus. Et la disparition de son chat n'a rien arrangé. J'avais oublié de vous parler de ça. Mais il s'est sauvé de la maison. Pendant l'absence de votre maîtresse, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Comment le savez-vous? C'était quand elle était chez sa sœur. Quelle soirée. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Canning. Bonsoir. Il paraît que l'autopsie est enfin en cours, et j'ose espérer que cela ira vite. Plaise à Dieu, nous aurons une explication. Ce serait trop horrible si ces craintes s'avéraient fondées. Que craignait exactement votre épouse, monsieur Canning? Pourriez-vous être un peu plus précis? Si vous voulez, j'admets que le seul fait de prononcer ce nom me répugne. Blaine Casters. Vous en avez entendu parler, je vois. Oui, il a été pendu à Cordon Square, à deux pas d'ici. A-t-il vécu ici? Non. Mais il a commis un de ses meurtres dans cette maison, toute une famille. Peu après notre arrivée ici, ma femme a découvert ce crime. Je m'en veux tellement de l'avoir amené ici. Et votre femme disait avoir vu cet homme? Elle disait qu'elle sentait sa présence dans la maison. Blaine Casters, comment tuait-il ses victimes? Il les étouffait. Merci infiniment. Bien, il n'a pas trouvé de poison en elle, ni la moindre trace de coup. Walton n'a pas encore fini l'autopsie, mais il semblerait par contre que ses poumons aient été privés d'oxygène, suggérant donc qu'elle aurait été étouffée. Bonté divine. Alors finalement, ils avaient raison. Obsédée par ce qui était arrivé ici, elle a été prise d'une crise de panique. Et son cœur a lâché. Dire que cette pauvre femme est restée là, avec ce vent qui siffle dans la cheminée, c'est affreux. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Oui! Oui, bien sûr. Merci, Doyle.
Vous pensez donc qu'elle est morte de ces terreurs infondées ? Infondées ? Non, elles étaient tout à fait fondées. Elle a été étouffée. À la fois son mari et sa bonne nous ont dit très clairement ce qui s'est passé. Là, je ne vous suis pas du tout. Ils ont parlé d'un fantôme invisible. Voilà votre compte-rendu, Belle. Sa respiration s'est bloquée, mais ni sa gorge ni ses poumons n'étaient obstrués. C'était manifestement son cœur. Non, ce n'était pas son cœur. Madame Canning a été assassinée comme elle le craignait, par étouffement. Une invisible force a réussi à pénétrer dans sa chambre il y a 2 nuits et l'a étouffée. Au nom du ciel, Belle, c'est aberrant, même venant de vous. Monsieur Canning, j'en suis arrivé à la conclusion que vous aviez bien raison de soupçonner une présence immatérielle et dangereuse dans cette maison. J'aimerais le prouver à ces sceptiques, mais avant, avec votre permission, je dois poser quelques questions à la bonne. Bien sûr. Anne, veuillez répondre aux questions du docteur. Il me tarde de vous entendre. Merci, monsieur. Dites-moi, Anne, votre maîtresse avait-elle des exigences concernant l'allumage des feux ? Oh oui, monsieur. À l'exception des chambres, je devais les allumer chaque matin à 5 heures. Je vois. Et qui a allumé ce feu-ci le matin où on l'a retrouvé ? Moi, monsieur, bien sûr. Et pourriez-vous nous montrer quels sont vos tout premiers gestes lorsque vous arrivez ici aux petites heures du matin ? Mes premiers gestes ? Eh bien, je me baisse. Dans le noir ? Non, monsieur. J'allume d'abord le gaz. Naturellement. Et ensuite ? Ensuite, j'ouvre la trappe d'aération. Un peu dur, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Je ne sais pas ce qu'elle a. Voilà, c'est ouvert. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci, Anne, vous pouvez disposer. J'imagine que c'est ceci que vous cherchez, monsieur Canning. Je l'ai trouvé parmi vos livres. Je pense qu'une petite démonstration s'impose. Vous voyez, ceci servait de liaison entre les deux pièces. L'une des extrémités avait été insérée dans un petit trou dans le mur, et l'autre comme ceci. Et voilà l'agent invisible qui s'introduit dans la chambre voisine à travers ce tube. Mais tout à fait capable d'asphyxier la seule occupante d'une pièce totalement dépourvue de ventilation. Vous voyez, le gaz pouvait disparaître en 1 heure ou 2 si la pièce était ventilée et que le débit diminuait. Et votre alibi, monsieur Canning, était parfait. Car la bonne, en toute innocence, vous servait de complice. Elle entre, comme elle nous l'a montré, et elle allume les lampes. Ainsi, moins de gaz passe par le tuyau et le débit diminue dans la pièce voisine. Ensuite, elle s'approche de la cheminée. Là, elle a un peu de mal, car la trappe est un peu coincée. Pourquoi ? Parce qu'elle est attachée par un fil de fer à la trappe de la cheminée voisine située dans la chambre à coucher de madame. En ouvrant celle-ci, la bonne ouvre également l'autre. Vous saviez que des heures s'écouleraient avant qu'on ne trouve le corps, amplement suffisant pour que le gaz s'échappe et pour que vous puissiez faire disparaître le tube. Mes félicitations, Belle. Whisky, monsieur. Comment être sûr que ça fonctionnerait ? Oh, comme tout scientifique digne de ce nom, il a fait tous les tests nécessaires pendant que sa femme était absente. Son chat, souvenez-vous, a disparu. Doyle ? Venez ici. Après cette soirée, je crois que votre admission dans cette pièce est justifiée. Vous y trouverez les preuves attestant que nous vivons une époque sombre et dangereuse. Mon propre petit musée de la mort. Vous étudiez le crime ainsi depuis longtemps ? Il y a quelques années, il s'est passé une chose qui m'a fait douter du sens de ma vie. Et puis, miraculeusement, ce travail, mon travail, a commencé. Mais docteur Latimer, cela n'a absolument aucun sens ! Il me semble pourtant avoir été tout à fait clair, mesdames ! Vous n'assisterez pas à mon cours ! Oh. Allez ! Vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous, docteur Latimer !
Est-ce qu'il vous a mise dehors? Il nous interdit son cours à cause des choses inconvenantes que nous pourrions apercevoir. Sa face de limande en premier lieu. Quel dinosaure! Ce n'est pas le seul. Ceci est arrivé pour moi aujourd'hui. Et sur son front était écrit un nom, la mère des impudiques. Et ainsi, en un jour, ces fléaux arriveront car elle a bu le sang de l'agneau. Et hier soir, je crois que quelqu'un me suivait. C'est sûrement Crawford, il vous a menacé. Allons voir le docteur Bell. Non, ce serait un prétexte de plus pour se débarrasser de nous. C'est évident que l'auteur de ce torchon serait ravi de me voir exclu de la salle de dissection. Monsieur Doyle, vous êtes assistant. Est-ce que cela vous donne accès à la salle de Latimer? Oui, elle est libre tous les soirs. Mais le gardien ne laissera pas entrer une femme. Je sais. Mais voudriez-vous m'aider? Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai quelque chose à faire. Toujours pour le docteur Bell, pas vrai? Il ne te lâche plus. Ce n'est pas étonnant, c'est un bourreau de travail. Sans doute. Mais moi, je l'admire. Car la médecine doit être une croisade. Lutter contre l'armée des bactéries est une véritable guerre. Et Bell a l'esprit d'un guerrier. C'est Sir Henry Carlyle, non? Absolument. Il réprouve sans doute la présence des femmes à l'université, mais à ce qu'il paraît, il ne dédaigne pas leur compagnie chez Madame Rose. Bien. Au cours d'hier, Latimer a disséqué le genou. Il a fait celui-ci et a dit que l'on pouvait continuer sur l'autre. Je ne suis pas une petite nature. Rien ne nous oblige à commencer là. Je vous assure, c'était bien le genou. Le ligament croisé est difficile à dégager, mais voilà. Mais il nous a fallu 10 minutes pour l'autre. Ça n'est pas votre première dissection? Mon père était médecin. Parfois, il me permettait de l'assister. À l'hôpital? Et en cours. Ma sœur et moi avons grandi au Cap. Là-bas, on fait énormément de choses avec peu de moyens. Et personne ne rechigne à être soigné par une femme. Ils ont trop besoin de nous. Et ceci est le cartilage articulaire. Vous savez déjà tout, je crois. Cet été, je pense repartir là-bas, travailler à l'hôpital. Il vous plairait, je suis sûre. Votre père est-il aussi médecin? Est-il fier de vous? Il n'est pas médecin, non? Je suis sûre qu'il est fier de vous. Mon père est mort de la fièvre il y a 4 ans. Ce fut terrible car nous avions à peine connu notre mère. Et quand je travaille, je me sens proche de lui. C'est une des choses qui me procure un réel bonheur. Mais me voilà à parler de moi une fois de plus. C'est votre faute. Tel un espion, c'est toujours vous qui posez les questions. C'est une forme de domination. Où est votre bonheur à vous? Vous aimez travailler pour le docteur Bell? En tant qu'assistant, oui. Que seriez-vous d'autre pour lui, son valet? Voilà donc votre rue. Malheureusement. Vous ne l'aimez pas? Elle est... Enfin, la pension s'appelle Beau Rivage, ce qui est une plaisanterie bien cruelle, car la mer me manque beaucoup. Voilà, ma logeuse attend. Je dois rentrer. On peut continuer demain, bien que vous n'ayez rien appris ce soir. C'est vrai. Je n'ai rien appris sur vous. Mais demain, je réessaierai.
Doyle ? Bien, je venais vous chercher. Nous sommes appelés d'urgence. Je vous avais dit que des femmes s'étaient fait attaquer. Enfin, le mystérieux agresseur s'est montré. On l'a agressée. J'étais venue faire le ménage et je l'ai entendue crier. Elle s'était endormie et quelqu'un l'a attrapée par le cou. Elle n'a pas pu voir qui c'était. Il doit encore être là-haut. Quoi ? L'agresseur est toujours là ? Oui, monsieur. En haut. Elle dit qu'il y a plein de sang. Montez au deuxième. Il s'est échappé par les toits. Il fallait nous laisser faire, on l'aurait eu. Summers n'aurait jamais dû vous appeler. C'est ici que je l'ai trouvé. J'ai fouillé toutes les pièces, sauf celle-ci. Oh mon Dieu! Ce ne sont que des vêtements. On a tout fouillé de fond en comble, on n'a rien trouvé. Et pas de corps. Rien qu'une chambre pleine de sang. Donc, personne n'a vraiment vu l'homme. En fait, les deux femmes se croyaient seules ici. Il est entré sans être vu et très clairement, l'endroit lui est familier. C'est le cas de la moitié des hommes de la ville, bien que pas un ne l'avouera. Et comme vous le savez, Madame Rose, là-bas, préférait être pendue plutôt que de trahir un client. Mais avez-vous envisagé la possibilité que le sang pourrait ne pas être le fait de l'agresseur ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Une des pauvres filles qui travaille ici a pu s'ouvrir les veines et ensuite se traîner dans la rue. Tout simplement. Avez-vous ne fût-ce qu'une idée du seul volume de sang qu'il y a dans cette chambre ? Ayant perdu autant de sang, qui serait capable de se traîner dehors ? Et de plus, le sang est frais. Quel idiot je fais, Doyle ! Quelqu'un me prend pour un imbécile fini ! Et cet âne de Pitcher ne va pas se gêner pour le dire. D'ailleurs, je m'étonne qu'il ne nous ait pas déjà convoqués. Ah ! Entrez, Summers. Ça y est, Docteur Bell, on a trouvé ce que vous cherchiez. Vos victimes.
Mais cette fois-ci, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'enquêter sur le meurtre. Je vous félicite, inspecteur. Et les vêtements trempés de sang? Ils sont à une certaine Agnès Walsh. Elle a travaillé chez Madame Rose un temps et y avait laissé sa cape. Elle va avoir un choc si elle revient la chercher. Voilà, rien qu'une très mauvaise blague. Alors, bonne journée. Beecher, une femme a été à moitié étranglée, rappelez-vous. Une prostituée, elle s'en est remise. Le petit plaisantin ne voulait sans doute pas être interrompu. On ouvrira l'œil, si vous me pardonnez l'expression. Malheureusement, il y a des affaires plus pressantes. Mais aucune sans doute n'est aussi étrange. Vous croyez vraiment qu'il a égorgé ses moutons dans la maison? Bien sûr que non. Excusez-moi. Voilà. Simple détail. Si vous voulez une reconstitution du crime, docteur, je vous suggère d'utiliser votre baignoire. Quels imbéciles. Il vous reste environ 19 minutes. Comment ? Vu la fréquence à laquelle vous consultez votre montre, vous devez avoir un rendez-vous à 6 heures. À demain, Doyle. Merci, monsieur. Vous connaissiez le vieux Samuel ? Bien sûr, le violoniste. J'aimais tellement l'écouter. J'y repense parce que c'est ici qu'ils l'ont trouvé. Oui, bien sûr. Quoi ? Rien du tout. Revoir l'endroit exact m'a rappelé un détail. Je savais que j'avais vu ça quelque part. Je suis désolé. Excusez-moi. Peu importe, de toute façon, il était pauvre. Sa mort n'intéresse personne. Enfin. D'après Neil, c'est la faute des médecins. La lutte contre les bactéries est une guerre. La médecine doit être une vraie mission. Et vous êtes d'accord? Ma mission était de suivre mon père. Quelle est la vôtre? Je ne suis pas sûr d'en avoir une. On a tous une vocation, peu importe laquelle. Il n'y a pas que la médecine. Faites des châteaux de sable, sinon. Il n'y a que vous pour y voir une vocation? Pourquoi pas? Avec des douves et un pont. Je pourrais même vous aider. Alors je m'y mets dès demain. Je suis sûr d'une chose. C'est que de ma vie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Je ne sais toujours pas où vous vivez. Vous êtes chez vos parents, c'est ça? Une faveur. Ce que vous voulez. N'ayant plus de parents moi-même, j'aimerais rencontrer les vôtres la prochaine fois que nous sortirons. Ce serait pour moi un honneur, monsieur Doyle. Mademoiselle Scott! Je dois rentrer. Quelqu'un est entré au labo de la Timère il y a quelques jours. Nous accusons ces femmes d'avoir utilisé notre matériel en violation du règlement de cette université. Mais nous avons la permission d'assister à ce cours. Elle n'essaie même pas de le nier. Relisez donc la Bible. Laisse-les passer, Crawford. Ce ne sont que de tendres petits agneaux à qui il arriverait du mal. Tu es fou. Tous les grands médecins sont fous. Et c'est pour cela que ces femmes n'arriveront à rien. Sauf peut-être à devenir nourrices. Oh! Hey! Je vais la tuer! Vous m'entendez? C'est proprement scandaleux! Nous ne tolérerons pas un tel comportement. Les femmes sont mises à pied pendant un mois. Ah. Et vous, monsieur, pendant deux mois. C'est à cause de vous. Et vous le paierez comme un agneau à l'abattoir! Vous verrez! Vous ne m'échapperez pas! Vous ne m'échapperez pas, c'est compris?
Ce n'est pas la mise à pied qui va résoudre le vrai problème ici, à savoir l'intolérance et la bigoterie. Docteur Bell. Nous avons la même responsabilité envers tous les étudiants de cette université. J'aimerais vous parler, docteur. Si c'est au sujet de l'histoire avec les femmes... Cela les concerne, oui. Mais il y a autre chose. Cette pile de pièces me disait quelque chose et maintenant je sais où je l'ai vue. C'était à côté du mendiant qui a été tué. Oh, c'est gain de la journée, je présume. C'est aussi ce que je croyais. Mais en fait, c'est très étrange. Samuel ne mettait jamais ses pièces par terre, mais toujours dans son chapeau. Et s'il s'était renversé, les pièces se seraient éparpillées. Mais là, c'était comme dans la chambre. Elles étaient bien empilées. C'est curieux. Je crois que c'est Crawford qui a tué les moutons. Il en a amené en cours, il parle sans cesse du sang des agneaux. Il a même jeté des pièces à Mademoiselle Scott. Il est obsédé par les femmes. Je crains qu'il ne soit dangereux, il faut les protéger. Sans doute, mais votre inquiétude, très naturelle, vous fait voir des liens là où il n'en existe aucun. Un violoniste mort, une chambre pleine de sang et une pile de pièces. Certains faits sont très troublants, mais nous devons trouver un lien. Et tant que nous n'avons pas cela, nous n'avons rien. Une fois de plus, vous n'appliquez pas la méthode. Mais quelle est-elle réellement ? Ah, si seulement je trouvais un moyen d'illustrer cela de façon concrète. J'en ai peut-être un. Vous dites qu'il est difficile de ne pas marquer de sa personnalité un objet qu'on utilise quotidiennement. Exact. Accepteriez-vous de relever un défi ? Je suis toujours ravi de relever un défi. Parfait. Analysez cette montre et je serai convaincu. Et si j'échoue ? Vous accepterez de vous pencher sur l'affaire Crawford en y mettant tous les moyens dont vous disposez. D'accord. Mais il n'y a quasiment aucune information. Elle a été récemment nettoyée, ce qui me prive de mes principaux indices. Oui, je l'ai fait nettoyer moi-même. Et donc, docteur, vous risquez fort de n'illustrer que les limites de votre si précieuse méthode. Peut-être bien. Cette montre a été fabriquée il y a une cinquantaine d'années au moins. Son propriétaire était, je dirais, un homme négligent et dispersé, oui, très négligent même. Il vivait depuis un moment dans une certaine pauvreté, entrecoupée de brefs intervalles de prospérité. Finalement, il s'est mis à boire et il a perdu la tête. C'est tout ce que je vois. Ceci est indigne de vous, docteur Bell. Comment osez-vous vous abaisser à cela ? Je ne vous suis pas. Il s'agit de la montre de mon père. Et vous, ayant appris ce que ma famille tient à cacher, vous prétendez déduire tout ça comme dans un numéro de foire ? Oui, parfois on peut violer de la sorte un secret par maladresse. Mais là, c'est de la pure méchanceté. Mon cher Doyle, je n'ai considéré que l'aspect théorique et abstrait du problème et j'en ai négligé vos sentiments personnels. Je vous assure, j'ignore absolument tout de votre situation familiale. Vous pourriez être orphelin pour autant que je sache. Comment alors ? Comme toujours. Observez les menus détails. Ces petits faits dont dépendent les grandes conséquences. Négligeant. Voyons. Ici, à la base de la montre, on voit des rayures et des marques provenant du fait qu'on mettait d'autres objets tels que des clés ou des pièces dans la même poche. Il n'y a qu'un homme bien négligent pour traiter une montre de valeur aussi cavalièrement. L'examen à la loupe a révélé des marques laissées par le mont de piété, et donc des temps difficiles. Mais, naturellement, il avait d'occasionnels retours de fortune, sinon il n'aurait pas pu la récupérer. Enfin, ces égratignures sur le haut du cadran, elles sont dues à la clé qui a dérapé. Ce n'est pas un homme sobre qui aurait fait avec sa clé des rayures aussi profondes. Et vous remarquerez, ici, les marques les plus récentes sont très dispersées et destructrices. Là, ce n'est plus de boisson dont il s'agit. Alors, vous aurais-je enfin appris quelque chose ? Oui. Aujourd'hui encore, je ressens l'humiliation cuisante que m'avait infligée le docteur Bell et sa méthode en dévoilant le secret honteux que ma famille tenait tant à cacher. Mais jamais je n'aurais imaginé que cette même méthode serait bientôt mon seul rempart contre les horreurs sans nom que l'avenir nous réservait.
Belle, le père, non? Arrête! C'est vrai, non? Il nous fonce dessus! Lâche-moi! Quand mon genou sera guéri, tu le paieras! Alors, ça t'a plu, Nel? J'ai adoré. Toute l'anarchie contrôlée de la vie. Un douloureux châtiment infligé sans raison apparente. Ça me rappelle le traitement qu'on nous réserve à l'université. On ne peut même plus y aller. Et Mademoiselle Scott? Elle se pèse, je ne sais pas. Elle doit travailler. Ou bien elle est sur la côte, dans le cottage de son père. Alors, tu ne l'as pas vue non plus? Non. D'ailleurs, où étais-tu? Oh, plongée dans les cours. Au fond de moi, j'avais envie d'avouer à mes amis que mon père était maintenant à l'asile. Le silence me pesait. Mais j'allais découvrir que la ville cachait de bien plus sinistres secrets. Non? C'est bon pour ton genou? Oh, j'ai largement mieux ici. Je n'ai plus de béquilles. Bon. Vous, prenez-en une. Parce qu'être servante peut parfois être dur pour les nerfs et ceci soulage de tous les maux. Ta mission semble te tenir à cœur, Neil. Tu sais que j'ai déjà eu mon diplôme à Montréal. En plus, ceci n'est que du sucre et de la valériane. Mais quelle patiente. Mais pourquoi? J'aurais payé une fortune pour elle. Je croyais que vous aviez mené la guerre contre l'esclavage. Mais elle peut dire non, Doyle. C'est vrai qu'en entrant dans une ville, votre cavalerie commence par demander des femmes? Absolument. Vous n'avez pas entendu parler du général Hooker? C'est un pays de barbares. Et nous en sommes fiers. Docteur Bell? Messieurs? Qu'est-ce qui vous amène ici? Oh, avec mon métier, je vais partout. Doyle, pardonnez-moi d'interrompre vos études, mais j'ai une patiente à voir. Donc, vous venez avec moi et vous m'aidez à trouver un fiacre. Allez. Qui est la patiente? Vous verrez. Et je vous demanderai une parfaite discrétion. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Docteur Bell, je vous remercie d'être venu. Je suis sûr que ce n'est rien. Je vais demander que cette visite se fasse en toute discrétion. C'est Arthur Doyle, mon assistant, à qui j'ai une confiance absolue. Il a accepté d'abandonner ses livres pour venir avec moi. Monsieur? Monsieur Doyle. Le docteur Bell est ici, très cher. Son assistant l'accompagne. Lady Carlyle, nous allons sûrement pouvoir vous aider. Monsieur Doyle. Il s'agit d'une infection assez sévère, mais je pense que nous serons à même de la circonscrire. Évidemment, je vais informer votre mari de ce qu'il convient de faire. Ne l'alarmez pas trop, je vous en prie. C'est promis. Et je repasserai vous rendre visite très bientôt. Merci. Monsieur Doyle, ma sœur me parle très souvent de vous. Elle regrette d'ailleurs que vous vous fassiez bien rare. J'ai beaucoup de travail, mais j'ai vraiment hâte de la voir. Elle va bien? Elle n'est pas aussi vive que d'habitude. Je sais qu'elle s'inquiète pour moi. Et pourtant, j'avoue lui avoir caché une partie de mes symptômes. Je ne veux pas lui causer de soucis. Je comprends. Ah, voici les médecins. Car même un humble étudiant mérite le titre. Vous prendrez bien quelque chose? Alors, rien de grave, parce que je tiens à avoir un héritier. Oh, je crains fort qu'il ne puisse pas pour l'instant être question d'enfant. Le déséquilibre humoral dont souffre votre épouse a causé une inflammation, elle-même étant exacerbée par une pathologie d'origine infectieuse. Je l'avais pourtant bien prévenue. Elle s'est pavanée dans le froid dimanche à la sortie de l'église. Dites-moi, avez-vous des symptômes également? Moi? Bien sûr que non. Ce n'est pas moi qui suis malade, docteur, et je suis très contrarié. Si votre épouse voulait un enfant, elle doit être terriblement déçue. Ceci ne vous regarde en rien, monsieur Doyle. Je présume que vous reviendrez, docteur Bell. Oui, d'ici un ou deux jours. Bonsoir, Sir Henry. Bonsoir, monsieur.
Pathologie infectieuse et déséquilibre humoral. Baliverne, vous qui insistez tant sur l'observation et l'analyse, votre méthode, et résultat, vous inventez une fiction. En effet, elle a la syphilis. Et cela vient de lui. Oui, c'est probable. Et c'est certain. Il est client chez Madame Rose. Je refuse, vous entendez, de me prêter à ce jeu-là. Vous le couvrez car il vous paie. C'est la dernière des hypocrisies. D'une, il ne me paie pas, et de deux, je m'en fiche éperdument. Vous doutez toujours de ma méthode de travail, mais suivez-en au moins un des principes élémentaires. Regardez tous les faits avant de passer aux conclusions. Bien sûr, le déséquilibre humoral, c'est une aberration, mais il fallait que je puisse gagner un peu de temps. Mais nous devons dire la vérité. Pourquoi ? Parce que ce n'est que justice. Justice ? Je vais vous dire ce qui se passera alors. Sir Henry va dénoncer sa femme tout en refusant de se faire examiner lui-même. Il ira répandre en place publique les mensonges les plus vils et ainsi il obtiendra facilement le soutien de quelques médecins bien-pensants pour faire interner sa femme pour immoralité névrotique ou autre motif absurde. C'est cela votre justice ? Non, ce serait monstrueux. Oui. Comme bien des choses dans notre belle cité. Mais s'il reste au docteur un rien de compassion, il inventera une fiction pour protéger sa patiente plutôt que de la faire crucifier. Voilà le vrai choix, Doyle. À moins d'être en mesure d'apporter la preuve de ce que vous soupçonnez, votre silence est pour l'épouse le seul espoir. Pourtant, à ce que j'ai compris, c'est un principe scrupuleusement observé dans votre famille. Bonsoir, Doyle. Monsieur Doyle, vous vous faites rare. Comment m'avez-vous trouvé ? Il n'y a pas 1000 salles d'études. J'aurais voulu venir avant. Vous avez avancé ? Non, pas du tout. Je dois avouer que j'espérais vous voir plus tôt. Pour être honnête, j'ai vraiment peur. Crawford ? Je ne sais pas. J'ai failli le croiser dans la rue, mais j'ai réussi à l'éviter. Mais ce n'est pas tout. Je crois que quelqu'un est entré chez ma logeuse, bien que je n'ai vu personne. Comment le savez-vous ? C'est vraiment stupide. Une broutille. Et j'aimerais vous montrer, mais c'est exclu. Car c'est dans ma chambre. Des pièces ont été déposées là. Et c'est ce que vous avez vu en vous réveillant ? Oui. Je suppose que vous n'y avez pas touché. Non. J'étais atterrée. Quand j'en ai parlé à Madame Maitland, elle a dit que c'était moi qui avais dû oublier ma monnaie. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Ces pièces n'étaient pas là quand je me suis couchée. La porte était fermée. Et la fenêtre ? Je la laisse souvent ouverte. Nous allons faire notre enquête et nous reviendrons. Mais je vous prie de soigneusement fermer portes et fenêtres. Crawford a jeté des pièces sur Elspeth et je l'ai entendu la menacer de mort. Alors nous devons aller le voir. Ceci est plus grave que je ne croyais. Je vous concède, Doyle, qu'ainsi que vous le suspectiez, votre mendiant a été tué par l'homme que nous cherchons. Mais le visiteur ne lui a fait aucun mal. Cela ne me rassure pas pour autant. Il y a une intention derrière tout cela, j'en suis sûr. Les pièces, la chambre ensanglantée, les yeux... C'est comme un rébus. Mais son auteur a déjà tué une fois. Un bien beau palace pour un suspect de meurtre, non ? Quelqu'un a bien dû nous voir. Bonsoir. Bonsoir. Ils ont forcément des gens de maison. Seigneur. Veuillez nous excuser, mais nous cherchons Gordon Crawford. Vous l'avez trouvé. Comment osez-vous interrompre nos dévotions vespérales ? Vous êtes Gordon Crawford ?
C'est mon fils que vous cherchez, sans doute. Et il n'est pas ici. Si, c'est possible. Mais si vous voulez lui parler, je crains fort que vous ne soyez déçu. Doyle, tu oses venir chez moi. Dehors! Monsieur Crawford, avez-vous suivi une jeune fille du nom d'Elspeth Scott? Oui. J'ai passé la nuit avec elle. Dans mes pensées. Les rêves provoqués par cet élixir sont remarquables. Elle est tout à fait délicieuse dans son abomination. Donc vous n'êtes pas sorti d'ici hier soir? Personne n'est jamais sûr de rien, à commencer par moi. Mais pourtant, j'ai une certitude. Vous n'aurez jamais l'ombre d'une preuve sérieuse contre moi. Qu'avez-vous là, monsieur? Une idole faite d'argent et d'or. L'avez-vous déjà vue? C'est du laudanum, Doyle. Et le laudanum est le pire des alibis en ce qui nous concerne. Sa torpeur n'était pas feinte, mais dans quel état était-il hier soir? Clairement, son père ignore toutes de ses allées et venues. Vous l'avez vu, messieurs? En effet, oui. Que dire d'un homme qui en arrive à tomber aussi bas? Outre que son père est un tyran, un fanatique et un bigot, je ne vois pas. Ma porte ne vous sera plus jamais ouverte. Bonsoir à vous. J'ai toujours voulu écrire une monographie sur les pères criminels. Cet homme y figurera en bonne place si jamais elle voit le jour. Oh, oh. Il a de la visite, je vois. Toujours le sourire aux lèvres, malgré la maladie de sa femme. Que fait-il ici? C'est ce qu'il nous faut découvrir. Après avoir aperçu Sir Henry devant cette maison austère, ma haine et ma méfiance à son égard ne firent que redoubler. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises. Car le lendemain matin, arriva chez Elspeth un colis étrange et inquiétant. Mademoiselle Scott, un paquet pour vous. Ces horribles choses sont là-dehors. La jeune fille est en train de faire ses bagages. Je tiens une maison respectable et vu les circonstances, il est exclu qu'elle reste ici. Vu les circonstances, madame, je doute qu'elle y tienne. Que dites-vous de cette ficelle, Beecher? Du fil goudronné. Précisément, de la ficelle goudronnée. Mademoiselle Scott l'a coupée avec des ciseaux, c'est très important. Je ne vois pas en quoi. Car cela permet d'avoir le nœud, souvent fort instructif. Celui-ci est du genre extravagant. Du papier brun qui sent le café. Et évidemment pas de cachet vu qu'il a été confié à un gosse au marché. Vers midi, c'est ça? Et il est incapable de décrire l'homme qui le lui a donné. Il ne peut même pas dire son âge. Je vois une petite marque au crayon. Et on peut lire, je vois, les chiffres 115. Ceci pourrait s'avérer très significatif. L'adresse a été écrite avec une plume à pointe large. Et enfin, la boîte. Oh, juste ciel! Une mauvaise blague d'étudiant. Quelqu'un aura coupé ses oreilles en salle de dissection, docteur Bell. Les étudiantes sont constamment l'objet de ce genre de choses. Vous allez trop vite en besogne, Beecher. Elles ont été sectionnées assez récemment. Mais à l'évidence, pas à l'aide d'un scalpel. Et pour la dissection, on traite les cadavres avec un produit pour les conserver. Je n'en décèle aucune trace ici. C'est de l'alcool modifié qu'on utilise à l'infirmerie. Jamais du gros sel. Non, ceci est très sérieux. D'ailleurs, je suis certain qu'on retrouvera le cadavre correspondant. D'ici là, au travail. Doyle, la logeuse est un monument de piété et elle a sûrement une Bible ou trois. Allez donc lui en emprunter une. Bien sûr. Ah, voilà. C'est le psaume 115. Oui, au verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Les pièces. Elles ont une bouche, mais ne parlent point. Samuel, le violoniste. Et son violon brisé. Elles ont des yeux, mais ne voient point.
point. Les brebis. Elles ont des oreilles, mais n'entendent point. Il suit le texte du psaume. Que dit la suite ? Des pieds. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Crawford ? Ici, la ficelle. Et le papier, il l'a mal brûlé. Ce n'est pas le bon ? Oh, je gagerais que c'est bien celui que nous cherchons. La plume à pointe large ? Docteur Bell. Oui ? Venez vite, monsieur. Ils ont trouvé le corps d'une femme. Nous arrivons. S'il vous plaît. Je crois que vos hommes devraient aller fouiller le bois. Bien, monsieur. Vous le voyez, il n'y a aucun doute. Les oreilles sont les siennes. Elle s'appelait Ellie Carswell. Elle vivait misérablement au-dessus du marché. Elle avait disparu depuis quelques jours. Ses voisins l'ont trouvée. Êtes-vous convaincu, inspecteur, qu'il s'agit bien de meurtre ? Oui. Et le jeune Crawford en est l'auteur, j'en suis persuadé. L'autopsie a révélé que cette femme est morte d'un malaise cardiaque causé par l'alcool et la malnutrition. La mutilation est sûrement intervenue après la mort. Autant que je sache, il ne s'agit pas d'un meurtre. Toujours les mêmes jeux. Je peux vous annoncer que la partie est finie, messieurs. On a votre joueur, mais il n'est pas très causant. C'est peu de le dire. Nous sommes guère avancés. Mais dans la grange... Crawford est mort depuis au moins 12 heures. Ce n'est pas lui qui a donné le paquet ce matin au gamin du marché. Notre mystérieux meurtrier court toujours. Mais nous avons recoupé les indices, les pièces, le psaume, le papier. Votre méthode est... Un processus intellectuel, pas des forceps. Tous les indices étaient destinés à nous conduire à Crawford. Ne voyez-vous pas la chance que nous avons eue ? La chance ? Le suicide de Crawford. Celui qui manigance tout ça l'ignorait forcément, sinon il n'aurait pas envoyé le paquet. J'ai fait comme vous aviez demandé. Je n'ai rien dit à personne. Parfait. Il est tout à fait possible que vous ne soyez plus jamais mêlé à cette sombre affaire. Les indices tendraient à suggérer que son centre d'intérêt est ailleurs. Néanmoins, il y a quelque chose dans sa façon d'opérer qui me chiffonne. Cela me rassurerait infiniment que personne ne sache où vous êtes parti. Et dans cette optique, votre suspension d'un mois à l'université joue en notre faveur. Doyle ici m'a indiqué que vous pouviez aller sur la côte. Je ne tiens pas du tout à m'enfuir, docteur Bell. Il ne s'agit pas de vous enfuir, mademoiselle Scott, seulement d'être raisonnable. Et c'est pourquoi tout le monde devra supposer que vous êtes parti en voyage à Londres. Merci, cocher. Allez, Qu'en dites-vous ? C'est magnifique. Vraiment. Quel endroit superbe. Vous pouvez crier tant que vous voulez. Personne n'entendra. Charlatan ! Balourd ! Bouffon ! Vous allez devoir faire ce que vous avez toujours évité. Me parler de vous et de votre famille. Donc, mon père, c'était un excellent artiste. Il dessinait des scènes pleines d'imagination.
Un gnome sur un poisson descendant une rivière, il arrivait à toucher une forme de vérité. Mais hélas, j'ai moi aussi perdu mon père. Car il est mort, pour ainsi dire, à l'intérieur. J'avais bien vu en vous comme une tristesse. Mais j'ignorais ce que c'était. Et je tenais vraiment à le découvrir. Pensez-vous qu'il guérira ? J'ai toujours cet espoir. Mais ma mère, elle a tout enduré seule quand j'étais au pensionnat. Elle est tendre avec moi, mais je sais qu'elle n'a qu'une crainte, c'est que ma vie soit à l'image de celle de mon père et que je n'en fasse rien. Je ne suis pas loin de partager ses doutes. C'est mon endroit préféré. C'était le refuge de ma tante. Pour moi, c'est un lieu magique. Comme si tout était possible ici. Je suis prêt à vous croire. Comme je crois en vous. Vous avez tort de vous sous-estimer. Vous arriveriez à convaincre n'importe qui. Oui, parce que c'est vrai, voilà tout. Vous savez que je rentre en Afrique. J'irai avec vous. En tant que quoi ? En tant que docteur ? Ou en tant que danseur itinérant, est-ce important ? Danseur, ce serait bien. Ce n'est pas moi qui vous en empêcherai. Alors c'est décidé. Eh bien, ma chère enfant, je dois dire que j'aurais aimé vous trouvez en meilleure forme. Je dois aller à l'hôpital maintenant. Mais je reviendrai demain. Ah, au fait, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Monsieur Doyle. Lady Sarah. Je souhaitais vous voir. Je ne suis pas belle à voir. Elspeth s'est absentée quelque temps, comme vous savez. Il vaut mieux que mon mari ne... Monsieur Doyle, approchez-vous. Selon Elspeth, vous êtes digne de confiance et... Oui. Je veux que vous me disiez... Est-ce vraiment... un déséquilibre ainsi que le dit le docteur Bell? Ou est-ce plus grave? S'il vous plaît, vous savez que vous êtes mon seul recours. J'ai vu le docteur Bell, mais je... Bien, au moins le pouls est normal. Monsieur Doyle. Monsieur. J'ignorais que vous étiez activement impliqué dans le suivi médical de mon épouse. Je ne fais qu'assister le docteur Bell, monsieur. Il se pourrait que le docteur Bell ne soit bientôt plus son médecin. À présent, je vous prierai de vous en aller... Lady Sarah. Monsieur. Excusez-moi, madame. Qui ça ? Je me demandais si vous connaissiez un monsieur qui vient parfois chez madame Rose. C'est un homme riche, il s'appelle Henry. Nous avons beaucoup de visiteurs ici et c'est notre affaire. C'est juste que, en fait, il vous a recommandé.
Vient-il souvent vous voir? Henry, c'est un lord, n'est-ce pas? Il est grand, c'est ça. Je le connais. Mais ce n'est pas moi qu'il vient voir. Sa préférée était Agnès. Agnès Walsh. Elle est partie. Personne ne sait où. Agnès Walsh était sa maîtresse? Où est-elle? Personne ne sait. Et il n'est pas revenu? Oh si, il est revenu. Il dit qu'elle lui aurait donné une maladie. Il était très en colère contre elle, vous savez. Mais il n'a pas encore choisi une autre fille. Peut-être qu'il en trouvera une ou peut-être qu'il ira ailleurs. Il l'a accusée alors, de l'avoir infectée? Vous n'êtes pas venu pour vous, je me trompe? Où puis-je la trouver? Je vous paierai. Je vous l'ai dit. Elle n'a pas dit où elle était partie. Et personne ne dira que votre amie était ici. En tout cas, pas moi. Maintenant, partez, s'il vous plaît. Ou je vous fais jeter dehors. J'étais à présent persuadé que Sir Henry avait du sang sur les mains. Aidé de mon ami Neil, je me mis à chercher la femme que Carlyle accusait de l'avoir contaminée. Elle ne connaît pas ta mystérieuse Agnès. D'ailleurs, qu'est-ce que tu lui veux? Je te l'ai dit. Je dois aider quelqu'un. J'aurais tellement voulu leur dire quel était le véritable danger. Notre temps était compté. Celui qui était derrière tout cela avait déjà tué, agressé et mutilé. Agnès Walsh! Agnès Walsh! Mais personne ne répondit. Les femmes refusaient toutes de parler. Avaient-elles peur? Agnès avait-elle été tuée par Sir Henry, l'homme qu'elle avait contaminé? La chambre ensanglantée faisait-elle partie de la vengeance? Je repensais sans cesse à la théorie que Neil avait sur le mal, qui selon lui était en chacun de nous. Cette idée ne me quittait pas. Et je passais mes nuits à réfléchir, car j'étais sûr qu'il existait dans tout cela un élément que j'avais négligé. Mais sur un point au moins, j'avais pris une décision. Je me disais que aller en Afrique en tant que danseur itinérant ne sachant pas danser serait idiot. J'ai eu une bien meilleure idée. Il suffit que je sois votre époux. Ne plaisantez pas. Je suis sérieux. Je sais, cela prendra du temps. Oui, je vais devoir m'établir, je devrais gagner de quoi vivre et nous trouver un toit, mais il suffirait d'attendre un peu. On aura des projets. S'il vous plaît. Voulez-vous m'épouser? Vous connaissez la réponse, oui? Oui, bien sûr. Monsieur! Je vous en prie, aidez-moi, monsieur! Ah, oh, je vous ai déjà vu, monsieur! Vous cherchiez Agnès. Agnès Walsh. Oui, tout à fait. Savez-vous où elle est? Non, mais je connais quelqu'un qui la connaît. Et vous étudiez à la médecine, on a besoin d'un docteur. Mon amie est très malade. Est-elle près d'ici? Oui, monsieur. Elle est là, venez vite. Ce monsieur va t'aider. Je vous en prie, monsieur, elle va très mal. Ça va aller. Pas de fièvre? C'est peut-être quelque chose que vous avez mangé? Pour sûr, c'est ce qu'elle a avalé. Je pensais que ça n'arrêterait jamais. Et vous êtes épuisé? Allongez-vous un peu. Oui, monsieur. Oh. Ah, merci. Qu'avez-vous mangé? Il vaut mieux dire la vérité, Kate. Vas-y. Il le faut. Docteur Bell! Docteur Bell! Je dois vous parler. Plus tard, j'ai un cours à donner. C'est Carlyle. Allez-y, j'arrive. Il a tué deux fois, je vous assure. Une autre fille a presque été empoisonnée hier. Il pourrait tuer sa femme. Qui a-t-il tué? Agnès Walsh. Les autres filles refusent de parler, mais j'ai appris qu'elle était morte il y a deux mois. J'ai vu sa tombe et j'ai eu le certificat de décès. À nouveau, ils disent qu'il s'agissait d'un abus d'alcool. Donc c'était un homme de la haute société. Je vous l'ai dit, monsieur. Je le connaissais déjà. C'est vrai, il était riche. On dit même que c'était un lord. Mais on le voyait moins souvent. Depuis le départ de sa favorite. Comment s'appelait-elle? Agnès Walsh. Je l'ai vue dans la rue. Il a demandé si j'étais saine. J'ai dit que oui.
Il est monté et il a payé. Qu'a-t-il fait après ? Il m'a donné ses pilules. Il a dit que c'était pour mon foie. Et c'est avant-hier que cela s'est passé ? Oui, monsieur. Il m'a dit d'en prendre 3. Mais je n'y ai pas touché avant hier soir, et encore juste un petit bout. Et je ne dirai plus un mot. Je ne dirai plus rien à personne. C'est d'accord. Mais je repasserai voir comment vous allez. Quoi qu'il y ait là-dedans, nous ne sommes toujours sûrs de rien. Et vous l'avez entendu, notre témoin refusera de parler. Et quand bien même nul ne la croirait. Et chez Lady Carlyle, peut-être était-ce des médicaments ordinaires. Vous êtes sûr que c'était les mêmes ? Je n'ai entrevu que la boîte, mais elle ressemblait à cela. Je dois dire que son état s'expliquerait mieux s'il s'agissait d'un empoisonnement. Nous devons analyser ses cachets le plus vite possible. Oui, de l'arsenic. Mais il y a aussi de minuscules traces d'autres poisons. Cet homme distribue généreusement ses faveurs. Pendant ce temps, notre visite a eu de l'effet. Sir Henry veut me voir et va certainement demander au docteur Gillespie de s'occuper du traitement de sa femme. Il faut faire vite. Docteur Bell et Monsieur Doyle. Bonjour, Sir Henry. Bonjour à vous, Bell. Je suis ravi de vous voir. À vrai dire, j'ai décidé de demander à Gillespie son avis à propos de l'état de mon épouse, car pour être Sir Henry, franc... il y a autre chose dont nous devons parler. Connaîtriez-vous par hasard une femme qui s'appelle Agnès Walsh ? Pas dans mon souvenir. Pourquoi ? J'ai tout lieu de croire que vous lui rendiez visite de temps à autre dans le vieux quartier. En tant que membre du Parlement, je me dois d'aller partout. Je vois beaucoup de monde, je ne peux pas me souvenir de tous les... Je vous ai vu de mes yeux. Dans un établissement tenu par Madame Rose. Quoi ? Monsieur, votre épouse est atteinte de syphilis. Belle, c'est un scandale. Le diagnostic est exact, monsieur. Je soupçonnais ma femme d'avoir fauté. À présent, je vous demande de partir. Je suis désolé, Sir Henry. Mais vous semblez ne pas comprendre la gravité de la situation. Des témoins vous ont vu fréquenter l'établissement en question. Et c'est vous, j'en suis presque certain, qui avez contracté cette maladie et qui l'avez transmise à votre épouse. Ce sont de viles accusations pour lesquelles vous n'avez pas la moindre preuve. Et c'est encore plus grave que cela. Vous avez administré du poison à une fille de Marchmont Square. Cela suffit. Je m'occuperai personnellement de votre cas auprès des autorités. Et je vous détruirai, Doyle. Et vous n'êtes pas à l'abri, Belle. Ne croyez pas cela. Je croyais que les deux docteurs avaient été congédiés. Ils s'en vont. Je crains que votre sœur ne soit pas étrangère à cette affaire. Retournez dans votre chambre. Lady Sarah, vous avez une maladie vénérienne transmise par votre mari. Il a été contaminé par une certaine Agnès Walsh. Drummond, accompagnez ces messieurs dehors. Nous n'avons que trop perdu de temps. Le docteur Gillespie va reprendre les choses en main, je vous le promets. Doyle. Doyle ! Que se passe-t-il ? Quoi ? Il paraît que tu t'en vas. Gillespie nous l'a dit. Est-ce que c'est vrai ? C'est possible. Tu es au courant pour Carlyle ? Il cherche deux docteurs pour faire interner son épouse. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. Votre carrière est finie et la mienne ne tient plus qu'à un fil. La vôtre ? Oh, Sir Henry doit à tout prix obtenir satisfaction. Il m'accuse d'avoir tenu des propos injurieux. Cependant, si vous quittez les lieux, j'ai une petite chance de rester. Vous osez abandonner alors qu'il fait interner son épouse ? Oui, le docteur Gillespie est passé ce matin. Alors, on a perdu ? Perdu ? À nouveau, vos émotions vous égarent, en dépit de ce que je m'évertue pourtant à vous enseigner. J'ai perdu une fois. C'était il y a bien longtemps. Mais ce sera pour une autre fois. D'abord... Regardez ceci. Le permis d'exhumer.
Ceci va nous occuper jusqu'au matin. Notre ami Doyle notera le déroulement de la procédure. Commençons. Doyle, te voilà. La femme de Carlyle sera internée ce soir. Un deuxième médecin a accepté de signer les papiers. Cette femme était atteinte d'une syphilis très avancée. Et ? Il n'y avait pas d'arsenic. Non, pas une seule trace. C'était de la strychnine. Comment ? En grande quantité. 3 gouttes ont suffi à tuer cette grenouille. De plus, j'ai retrouvé ce poison en petite quantité dans les pilules que Kate a avalées. Notre ami est un adepte des deux composants, mais la strychnine est plus rapide. Il est clair que cette femme a été empoisonnée. Dieu merci. Quelle chance, non ? La chance n'a rien à voir là-dedans. L'auteur du certificat de décès était un idiot, car les symptômes qu'il a consignés sont très clairs. Convulsions spasmodiques des jambes et des bras, c'est indubitable. Et votre mendiant avait sans doute les mêmes. Ah, Gillespie. Mais que diable faites-vous ici, Belle ? J'attends quelqu'un d'autre. C'est moi qui suis cette affaire maintenant. Mais c'est une affaire de meurtre à présent. Il a tout à fait raison. Et nous devons parler à Sir Henry. Suivez-moi, messieurs. Oui, inspecteur Beecher, je sais ce que ces hommes essaient d'insinuer, mais vous devez savoir que je nie toute association de cette nature. Peut-être. Mais l'affaire est plus grave maintenant. Nous avons des preuves qu'une femme a été tuée. Cela ne me concerne pas. Vous niez donc tout contact d'aucune sorte avec cette Agnès Walsh. Je ne sais pas qui c'est. Pouvez-vous nous dire, dans ce cas, d'où viennent ces rumeurs ? Je pense que c'est clair. Ma femme est sur le point d'être mise dans un asile. Je ne suis plus responsable de ce qu'elle peut faire ou dire. À présent, je vous demanderai de partir. Il vous faut un mandat pour perquisitionner, et vous ne trouverez rien. Ils trouveront ceci. Vous aviez raison, Monsieur Doyle. Mon époux m'a demandé de les prendre. Elle me rendait malade, mais il a insisté. Alors je les prenais. En réduisant les doses. Mais j'ai arrêté hier soir. Ceci est un simple remède à base de plantes que j'ai... Puis-je regarder, inspecteur ? Un simple remède, Sir Henry. Bien sûr. Alors vous m'obligeriez en prenant une. Si vous le faites, je retirerai toutes mes accusations dans la seconde. C'est une façon très simple de clore le débat. Nous attendons, Sir Henry. Allez, prenez-en une. Pas question. Pourquoi donc ? Je suis persuadé qu'elles contiennent de la strychnine. On a retrouvé de la strychnine dans le corps d'Agnès Walsh. De la strychnine a été administrée à une autre jeune femme qui a survécu. Et elle vous identifiera. Je me les étais procurées auprès d'un homme que j'avais vu à la maison close. Mais je vous jure que je n'en ai jamais donné à Agnès. Vous reconnaissez l'avoir fréquentée ? Donc votre femme n'est pas responsable de son état ? Non. Non, c'est moi. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé de vous avoir infligé cela. Il disait que c'était un purgatif. Et il prétendait que ce serait efficace. Je voulais que cette maladie disparaisse. Pardonnez-moi. Finalement, nous savons quel rôle a joué Carlyle dans l'affaire, ce qui laisse notre empoisonneur à découvert. Nous ne sommes guère avancés puisqu'il court toujours. C'est vrai, mais avec l'aide d'une jeune femme intrépide, j'ai réussi à lui concocter une chausse trappe. Ce fut une longue et étrange histoire, Doyle. Mais nous touchons au but. –
Kate, que s'est-il passé? Oh, ce n'est rien, c'est juste mon bras. Mais il n'était pas censé venir avant 10 heures. Oui, je sais, mais ses plans ont changé. Il devait se douter de quelque chose. Il était dans une rage folle. Il est peut-être encore ici. Allez chercher de l'aide. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Je te recommande Harriet. Elle est moins sale que la plupart. Oh, ne t'inquiète pas, elle n'est qu'endormie. Enfin, je crois. Non, 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 je t'assure, je lui ai donné quelque chose pour dormir. Et j'en ai pris un peu moi-même. Toi? Ah oui, bien sûr. Tu as donné une pilule à la serveuse. Et tu en as donné une boîte à Sir Henry. Je suis sûr qu'il voulait la mort de sa femme. Toi et Belle auriez dû le laisser faire. J'ai déjà éliminé la puterie d'Agnès. Et quelques autres. Et ton mendiant, c'était un cas d'école. Pourquoi? Pourquoi? Oui, les porteurs de ces germes doivent être châtiés, mais l'essentiel n'est pas là. Nous avons souvent parlé de cela, pourtant. Mais tu ne comprends toujours pas ce que signifie le futur. Ce qu'est le mal. Neil! Neil! Attrapez-le, Doyle! Je suis ravi que vous ayez soupçonné Crawford grâce à mes élucubrations bibliques. Dommage que cet idiot se soit pendu à un arbre. Et surtout, fais mes compliments à Elspeth. Vous l'avez vu? Non, il ne peut pas être bien loin. Beecher, que vos hommes fouillent le quartier. Vous connaissez ma position, ils le suivront, c'est tout. Deux à l'arrière, deux devant. Allez! Il a parlé d'Elspeth, nous devons la rejoindre. Et dire que je le considérais comme un ami. Nous sommes partis vite, il est impossible qu'ils nous aient devancés. Vous croyez qu'ils l'auront attrapé? C'est ce qu'il faut espérer, Doyle. Mais je vous ai déjà expliqué le fonctionnement de cette ville. Elspeth, vous êtes là? Elspeth. Doyle. J'espère que vous trouverez ceci. Excusez-moi, mais je ne veux plus jouer ce jeu de dupe. Je veux mettre fin à tout cela. Elle est rentrée en ville? Mais en fait, ceci n'est qu'un fragment de la lettre. Et regardez, toutes ces affaires sont là. Il n'y a qu'une personne qui ait marché ici, et c'est elle, heureusement. Ceci a été fait il y a un bon moment. Ici, mot effacé, message... du futur pour D. Doyle. Liberté de commettre tout acte. Toutes vos méthodes sont inutiles. Que diable cela veut-il dire? Ne faites pas ça! C'est son manteau. Espèce!
C'est une bien triste histoire, monsieur Doyle, je compatis. Nous avons la lettre. Sir Henry nous a dit qu'elle était fragile. Il s'agit clairement d'un suicide. Il ne semble pas que quelqu'un d'autre soit venu là. Et Neil ? Il s'est embarqué ce matin pour le Canada. Parce que Belle le soupçonnait, on l'a suivi jusqu'au port. Mais pour pouvoir l'arrêter, il nous fallait des preuves. Il n'y en a aucune ici. Même si le docteur Belle a ses théories, ce n'est pas un tas de sable qui permettra de l'arrêter. Il en tuera d'autres ! Et vous, vous l'avez laissé s'enfuir ! Emmenez-le dehors ! Qu'il prenne un peu l'air ! Il doit bien y avoir des preuves. Rien sauf ce que nous avons détruit comme il l'avait prévu. Même pas d'empreinte de pas. Il est venu par la plage. Ensuite, il est revenu et a déchiré quelques lignes de sa lettre qui, pour Beecher, sont une preuve de son suicide. Alors à quoi tout ça sert-il ? Vous rencontrez a été mon malheur. Il l'a tué, il s'enfuit et vous n'y pouvez rien ? Votre méthode n'est qu'un pitoyable leurre. Non. Le voilà, le leurre. Il n'y a vraiment aucune raison à cela, ni le gain, ni le pouvoir, ni même l'attrait du plaisir. Et si c'est ce qu'il appelle le futur, Doyle, alors c'est avec le plus grand dédain que je rejette ce concept. J'admets, comme le dit son message, que si on peut tuer sans la moindre raison, mes méthodes sont inutiles. Objectivité et déduction terminées. Très bien. On trouvera autre chose. Alors, vous ne pouvez rien faire ? Bien au contraire, je ferai tout ce qui est en mon humble pouvoir, et même s'il faut des années, Doyle, on trouvera cette sale vermine. On va bien trouver de l'aide quelque part ? Pour le moment, il n'y a que nous. C'est devenu une croisade personnelle, Doyle. La ligne a été franchie. Et si c'est contre le futur qu'il faut se battre, on se battra. Promis. Encore. Et encore jusqu'au siècle à venir. Vous venez ? Oui. Ainsi, la deuxième affaire dans laquelle j'avais observé les méthodes du docteur Bell se terminait en drame. J'allais traiter d'autres affaires avec lui à l'avenir, mais hormis nos recherches pour retrouver Neil, aucune ne m'a jamais touché aussi personnellement. Le vide que j'avais en moi était insupportable. Rien ne pouvait me consoler, et certainement pas les mots. Mais étrangement, plus tard, les mots sont devenus mon refuge. Et de la douleur, quelque chose est né. Doucement, Elspeth avait fait naître l'idée, et peu à peu, elle prit forme. Quelqu'un qui aurait pu nous aider, et qui aurait réussi là où le docteur avait échoué. Le détective ultime. Mais il y eut une dernière surprise. La mort d'Elspeth avait fait naître quelqu'un en qui le monde croyait tellement qu'il ne pouvait pas mourir.